Oui, bonjour. On va vous expliquer comment vérifier votre vélo avant de le prendre, faire un petit tour pour le printemps. Donc, on va commencer par le moins facile. Déjà, c'est de vérifier le graissage des câbles. Hein. Donc, je vous conseille de mettre quelques gouttes d'huile là. Vérifiez ici aussi un petit goutte d'huile ici, au-dessus, dans l'axe. Ça, c'est pour le frein avant. Pour le frein arrière, pareil. Donc là, on huile ici. Et puis derrière, pareil, on essaie que là, c'est vraiment sec. Tiens, ben, en plus, on peut rajouter un peu d'huile ici et le faire bouger. Ça permet un meilleur glissement du câble. Vous avez pu reconnaître votre vélo. Ben, en même temps, comme la burette est là, vous donnez un petit coup d'huile au niveau de la pédale, ici, là, et vous la faites tourner. Vous faites l'autre pédale pour pas de jaloux, pas oublier. Hop, un petit goutte d'huile ici. Voilà. Et là, on peut après vérifier le serrage des freins, frein avant. Après, on règle sur la petite molette ici. Le frein arrière. Donc, on va vérifier les dispositifs de réflexion de la lumière pour la nuit. On vérifie bien sur les pédales que tout y est. Là, il y en a. Là aussi. Sur l'arrière, il y en a un. Et sur l'avant, il y en a un. La lumière avec la dynamo. Hop, ça c'est... on va... Quand on tourne, ça... Et on essaie que ça... On regarde si ça fonctionne. Oui, mais il y a un petit... Voilà. Il y a un petit temps. Il y a un petit temps. Parce voilà. Que, bah, c'est un vieux machin. Sinon, on a des... Voilà. Et puis après, on vérifie bien la pression des pneus en fonction des écritures, du marquage des pneus, de la pression qui est marquée. Donc ça, c'est les dimensions. Et la pression, elle est là. La pression, elle est là. Donc il y a marqué pression de pas plus de 3,5 bars. Alors, c'est en bar ou c'est en PSI, hein. Oui. Faut bien suivre ça surtout, hein. Bien suivre les inscriptions de chaque pneu. Et que ça soit derrière ou devant, c'est pas forcément le même pneu 2. Donc on vérifie aussi la pression du pneu. Moi, ce que j'ai fait pour le mien, comme j'ai beaucoup de vélos, eh ben, j'ai marqué la pression du pneu là, comme ça, et en bar et en PSI. Comme ça, même si c'est sale, tout de suite je sais, je réfléchis pas, comme les voitures. Voilà, ben là, à partir de maintenant, ben, vous pouvez, si les réglages de sel, de guidon sont faits, vous pouvez faire des petites randonnées, vous remusclez les jambes et puis bah, les fesses, parce que le vélo, c'est aussi tout le corps à habituer, quoi. Voilà, bonne balade en Touraine.